Dans cette édition, nous irons à la primature où le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu ce mercredi des opérateurs économiques indiens. Ces derniers veulent investir dans le secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire. Et nous parlerons du calvaire des usagers de transport en commun aux heures de pointe. Difficile de se déplacer avec les embouteillages. Nous ferons le constat avec notre reporter dans ce journal. La Libye ne détient plus d'armes chimiques. Les autorités ont annoncé hier avoir détruit, avec l'aide notamment de la communauté internationale, tout le stock d'armes chimiques utilisables qui pourrait présenter une menace potentielle pour la sécurité. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. Des opérateurs économiques indiens s'intéressent à la Côte d'Ivoire. Ils veulent investir dans le secteur de l'énergie. Ce matin, à la primature, ils ont eu une rencontre avec le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. On fait le point avec notre reporter Michel Digré. Ce sont environ 50 milliards de francs CFA que la compagnie indienne GMR veut injecter dans le secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire. Cette intention d'investissement et bien d'autres dans plusieurs domaines d'activité ont été portées à la connaissance de Daniel Kablan-Duncan, à qui les hommes d'affaires indiens ont présenté leur savoir-faire. La Côte d'Ivoire a exprimé des besoins très clairs et bien affirmés dans le domaine de l'énergie. Et dans l'esprit des Indiens, c'est d'être très pratique, très pragmatique, et d'apporter des solutions qui sont à la fois efficaces, qui s'exécutent à court terme et qui sont durables. Donc c'est le langage qu'on a évoqué et il couvre tous les aspects des investissements, depuis le financement, la construction jusqu'à l'opération. Et dans leur esprit, 3 mois, 5 mois, 6 mois, pour prendre une décision, il faut aller très vite. Mais les solutions qu'ils vont nous proposer sont des solutions à court terme et qu'ils ont déjà expérimentées dans un environnement pour un pays émergent dans lequel les contraintes qu'ils ont connues, nous les connaissons aujourd'hui. Nous prenons à présent la direction de Gagnoa, où la grande chancelière de l'ordre national vient d'effectuer une tournée. Henriette Dagri Diabaté a fait plusieurs dons, notamment au groupe scolaire Gagnoa Centre, et distingué des cadres de la région. Le reportage sur place d'Honorine Ngori. Le groupe scolaire Gagnoa Centre a reçu récemment Henriette Dagri Diabaté, grande chancelière de l'ordre national, les bras chargés de dons composés d'ordinateurs, de cahiers, de livres, de tables, bancs et de matériel de propreté. Vincent Kouakou, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire, s'est félicité du geste de la donatrice du jour, qui n'est autre qu'une ancienne élève de cet établissement. Tout comme l'inspecteur de l'école, Théodore Nyoïté s'est également réjoui de la présence de la grande chancelière de l'ordre national, car par ce geste, elle honore toute la ville de Gagnoa et plus particulièrement la communauté éducative de la région du Go. Henriette Dagri Diabaté a, au cours d'une sympathique cérémonie à la préfecture, traduit la reconnaissance de la nation au nom du président de la République à plusieurs illustres fils, leaders d'opinion, administrateurs, membres de la société civile ou opérateurs économiques de Gagnoa. Il s'agit entre autres de l'ambassadeur Eugène Alou, du député de Gagnoa André Dakoury Tablé, du maire de Gagnoa Medji Bamba et du préfet de la région du Go, Rémi Nzi. Quant au calife Cheikh Nasila, chef de la communauté Yakuba Sila, sa distinction a été faite à son domicile au cours d'une émouvante cérémonie ponctuée des témoignages sur la vie du guide fondateur de la communauté. Le séjour de la grande chancelière de l'ordre national a été meublé par une exposition de photos tirées de la collection de son père, Pierre Dagri. Par cette exposition, elle a voulu témoigner d'une époque où la vie à Gagnoa était marquée par le vivre ensemble. Ils se sont retrouvés à Yamsoukro pour échanger sur deux sujets, la mobilisation financière et la modernisation des finances publiques. Les élus locaux ivoiriens et burkinabés viennent justement d'achever leurs travaux. Ils maîtrisent désormais les outils de gestion et de mobilisation des ressources financières, comme le e-commerce développé par la Côte d'Ivoire. Hugues Aveblé est notre envoyé spécial dans la capitale politique. Président des conseils régionaux et maire de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso,
avait à cœur de trouver à Yamoussoukro des solutions aux nombreuses préoccupations liées à la mobilisation des ressources locales. Objectif atteint. Bon, hier, nous avons suivi avec intérêt les différentes communications, entre autres e-communes. Disons qu'il y a des stratégies que les communicateurs nous ont données. C'est un outil informatique accompagné d'un projet de recensement sur le terrain qui devrait, en fin de compte, permettre à ces collectivités de pouvoir mobiliser plus de ressources. Donc recenser les contribuables et faire en sorte qu'ils augmentent leur budget et investir dans les infrastructures socio-économiques. En plus du e-commune développé par l'État de Côte d'Ivoire à travers le Comité national de télédétection et d'information géographique, les séminaristes ont partagé des expériences congolaises, camerounaises et burkinabées. Objectif commun, assurer l'autonomie financière de leurs différentes localités, pas évident du fait également de la faiblesse des ressources allouées par l'État. Parce que les États donnent en termes de millions, milliards, mais quand on veut voir en termes de pourcentage, ça ne représente pas grand-chose dans le budget. Et nous voulons demander réellement qu'il y ait en tout cas un pourcentage alloué à la décentralisation. À cette préoccupation s'ajoute celle du cadre juridique qui régit les collectivités territoriales. Sur ce point, les assurances des autorités ivoiriennes. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne la loi portant régime financier, fiscal et domanial, nous attendons d'avoir, dans le courant du mois de mars, un dialogue large, inclusif, pour que nous puissions proposer au gouvernement des tests qui correspondent aux réalités du moment. La prochaine rencontre des élus locaux du Burkina Faso et de Côte d'Ivoire destinée au renforcement de la paix et de la cohésion sociale entre les populations de leurs deux pays se tiendra au Burkina Faso. Les élus locaux sont donc repartis satisfaits et maîtrisent désormais le e-commune développé par la Côte d'Ivoire. Plus de 1500 milliards de francs CFA de recettes pour l'exercice 2014. C'est l'objectif de la Direction générale des impôts. Les responsables de la Direction générale des impôts étaient face à la presse ce matin pour présenter l'année fiscale 2014, nous explique Laetitia Manglé. 1 588 milliards de francs CFA. C'est l'objectif de recouvrement de recettes fiscales assigné à la Direction générale des impôts pour l'exercice 2014. Pour le réaliser, la DGI va s'appuyer sur l'annexe fiscale. L'annexe fiscale, c'est une loi qui donne un aperçu de ce que le gouvernement va faire une année donnée. C'est pourquoi c'est chaque année qu'il y a une annexe fiscale. Face aux journalistes, Pascal Abinan donne un aperçu de quelques mesures contenues dans le manuel. Des avancées, souligne-t-il, désormais les fournisseurs de biens et services en exonération de TVA et se trouvant en situation de crédit structurel de TVA pourront se faire rembourser. Concernant le paiement des impôts fonciers, il se fera dorénavant chaque trimestre avec abattement de 25% pour les personnes respectant le délai. Dans l'ensemble, pas de création de nouvelles taxes ni d'augmentation significative. Seulement, ajoute le directeur général des impôts, la taxe sur les télécoms passe de 3 à 5% et l'impôt BIC applicable aux entreprises du secteur des télécoms de 25 à 30%. La Côte d'Ivoire a un potentiel. La Côte d'Ivoire peut aller vers l'émergence. Peut-être d'ici 3 à 4 ans, c'est... Au lieu de 1588 milliards, c'est 2500 milliards que la DGI va faire. Tout ça pour nous-mêmes d'abord, notre bien-être et pour nos enfants demain. Parce qu'on va leur construire un pays développé. Dans un souci de transparence, le directeur général des impôts invite les personnes physiques et morales à se rapprocher de leurs services pour toute information sur l'annexe fiscale 2014. Le port autonome de San Pedro lance sa semaine industrielle et portuaire. La cérémonie a eu lieu ce matin dans la commune du Plateau. Les 7, 8 et 9 mai prochains à San Pedro, les atouts et opportunités économiques du port seront présentés au public. L'objectif est clair, attirer les investisseurs. Les explications d'Alvorassa.
La première édition de la semaine industrielle et portuaire de San Pedro, SINPO, prévue du 7 au 9 mai prochain, aura pour thème pour un port et une industrie de croissance. Elle s'organisera à travers des panels, des conférences, des ateliers et des expositions. Cette semaine industrielle et portuaire va accroître le trafic au niveau du port autonome de San Pedro. Ce trafic pourra passer, selon le directeur général du port autonome de San Pedro, Marcel Ilé-Lamizana, de 5 millions de tonnes de marchandises à court terme à plus de 10 millions de tonnes de marchandises à moyen terme et à environ 100 millions de tonnes à long terme. Et les recettes douanières iront au-delà des 140 milliards de francs CFA générés ces dernières années. SINPORT, c'est justement pour nous cette plateforme qui va être proposée aussi bien aux investisseurs, aux bailleurs, mais également aux différentes régions de présenter non seulement leurs opportunités en termes de besoins d'investissement, mais également aux bailleurs d'indiquer les solutions qui pourront être proposées pour permettre justement la réalisation de ce développement qui est tant attendu au niveau de la région ouest de la Côte d'Ivoire. Toutes les régions du sud-ouest, de l'ouest, du centre-ouest et du nord-ouest vont participer à cette semaine industrielle et portuaire de San Pedro, y compris les pays comme la Guinée, le Libéria et le Mali. Pour ces pays, le port autonome de San Pedro est un port de transit pour les régions limitrophes. C'est une opportunité que nous offrons et qui a été saisie par tous ces opérateurs et qui seront naturellement présents à la semaine industrielle et portuaire de San Pedro. La semaine industrielle et portuaire à San Pedro va donc favoriser la relance et le développement économique de la région de San Pedro et de son arrière-pays. C'est une situation que vous vivez certainement tous les jours, entre 17h et 18h. Difficile de se déplacer à Abidjan. Les embouteillages sont partout visibles dans presque toutes les communes. Pour les usagers des transports en commun, c'est un moment difficile, surtout avec les tarifs du transport qui grimpent en fonction du trajet. Le constat est fait par notre reporter Grace Kando. Se déplacer à Abidjan aux heures de pointe. Une équation bien souvent difficile à résoudre pour les usagers. Entre 17h et 18h, les tarifs des taxis communaux appelés Woro-Woro grimpent. C'est le cas de la commune de Cocody. Un véritable calvaire pour les usagers. Lorsqu'il y a l'affluence et aussi ils profitent pour augmenter les tarifs, c'est toujours une file d'attente. Donc à tout moment, les prix sont toujours à la hausse. Aux heures de pointe, en fait, il décompose le circuit. Donc, en fin de compte, le client paye deux fois pour le même trajet. C'est vraiment difficile aux heures de pointe, 17h, 18h, de rejoindre en gré. Le tarif est doublé pratiquement. Un fait que tentent de justifier les concernés. Selon eux, les embouteillages sont à l'origine de cette situation. Une distance peut-être de 10 km et on doit mettre au moins 3 heures de temps avant d'atteindre le terminus. Donc, il faut... Faut mettre le paquet. Aux heures de pointe, on est obligé d'augmenter le prix parce qu'il y a trop d'embouteillages. Bon, quand on augmente les prix, bon, souvent tu peux prendre des clients ici. D'ici, tu vas arriver en gré. Au moins, tu peux faire au moins 1h30. Et ça aussi, bon, nous aussi, on coupe pour avoir attrapé les recettes. Kone Siaka, ce chauffeur de taxi, lui par contre, n'augmente jamais ses tarifs. Il dit s'en remettre à Dieu. Que ce soit 17h, 18h. Moi, le prix où il y a embouteillage, où il n'y a pas embouteillage, moi, c'est le même prix. Bon, je fais ça parce que quand tu fais un truc là, il faut être honnête, quoi. Quand c'est comme ça, là, Dieu aussi te donne pour toi. Un acte isolé, car ils sont peu nombreux à suivre cet exemple. Les usagers des mini-cars communément appelés Baka sont aussi logés à la même enseigne. C'est un véritable parcours du combattant pour se rendre à Bingerville. Et habituellement, d'ici, Bingerville, c'est 200 francs. Mais à partir de 19h30, ils augmentent, ça devient 250, voire même 300. Bon, on attend tellement longtemps que souvent on est obligé de marcher jusqu'à arriver à Nono, à la Riviera 2. Et bon, quand il y a trop d'embouteillage, le tarif double. Difficile donc pour les usagers de planifier avec exactitude leur budget mensuel pour le transport. Et la vitesse tue, attention donc, sur nos routes, c'est l'appel de la Gendarmerie nationale qui vient de lancer l'opération de lutte contre les accidents de la circulation sur l'autoroute du Nord. L'opération vise à contrôler les excès de vitesse, l'état général des véhicules et les pièces afférentes à leur mise en circulation. Abou Sanogo pour le reportage.
Le général de brigade Vako Bamba, commandant supérieur en second de la gendarmerie nationale, procédant sur instruction du général de division Kwasi Kwaku Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, au lancement de cette opération au poste à péage d'Atenguier en présence des directeurs généraux de l'Ozer et de la SICTA. C'est un dispositif de 5 unités radars réparties sur l'ensemble de l'autoroute du Nord dans les deux sens. Ces unités ont pour mission de contrôler les excès de vitesse, de procéder aux tests d'alcoolémie sur les conducteurs interpellés, de réprimer tous les contrevenants et enfin de contrôler l'état général des véhicules. Moins d'une heure après le début de l'opération, 8 contrevenants aux infractions surmentionnées ont été enregistrés. L'un d'entre eux, interpellé pour excès de vitesse, a d'abord salué le travail de la gendarmerie nationale avant d'inviter les autres usagers de la route à se conformer aux dispositions en vigueur afin de préserver des vies humaines. Avec les nouvelles motos offertes à la gendarmerie nationale par le chef de l'État, les usagers de la route qui se sont rendus coupables du refus d'obtempérer ont été rattrapés par les motards du peloton motocycliste d'escorte de la gendarmerie nationale prépositionné à cet effet. Cette opération, qui est à sa phase pilote, s'étendra jusqu'au 15 février. Il a déjà enregistré pour cette première journée 222 amendes forfaitaires délivrées, 11 permis de conduire et 2 cartes grises retirées, ainsi que 76 véhicules interpellés pour usure pneumatique. Parlons d'un autre combat, c'est celui de la lutte contre la corruption. Et c'est une ONG investie dans la lutte contre l'injustice qui a organisé une conférence débat pour identifier les moyens pouvant faire face à la corruption grandissante en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, cela passe nécessairement par la mise en pratique des règles de bonne gouvernance. C'est la conviction du mouvement pour la lutte contre l'injustice. À l'occasion de la conférence débat sur le thème « Bonne gouvernance et émergence », cette organisation a donné sa position. L'ONG pense que l'une des règles de bonne gouvernance essentielle à adopter en Côte d'Ivoire, c'est la lutte contre la corruption, une lutte qui doit être l'affaire des gouvernants, de la société civile et des populations. Nous allons dénoncer partout où nous serons confrontés à cette corruption. Parce que les corrupteurs ne sont pas sanctionnés et c'est pourquoi la corruption prend de l'ampleur. Deux autres communications ont marqué cette conférence débat. La gouvernance des pratiques de gestion améliorée pour une administration performante, expérience de la douane et le plan national de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption présenté par le secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le domaine de la lutte contre la corruption, c'est maintenant que l'institution vient d'être créée, la haute autorité pour la bonne gouvernance. Et c'est quand cette institution va commencer à dérouler son programme d'activité que véritablement les Ivoiriens vont sentir que la lutte est véritablement engagée. Créé en 2006 à Abidjan, le mouvement pour la lutte contre l'injustice s'assigne comme principale mission la lutte contre la corruption et le combat pour imposer la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Demain, jeudi 6 février, est célébrée la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Cette pratique, sachez que 38 femmes sur 100 seraient victimes de cette pratique selon l'enquête démographique de la santé menée en 2011 et 2012. Le gouvernement ivoirien met donc l'accent sur la sensibilisation, nous explique Gabriel Zani. Rien n'arrête les praticiennes de l'excision en Côte d'Ivoire. 38 femmes sur 100 ont été excisées entre 2011 et 2012. Selon une enquête démographique de la santé, les pratiques génitales féminines, MGF, persistent malgré les campagnes de sensibilisation, les actions de réinsertion socio-professionnelle proposées aux exciseuses. Cette année, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les MGF, les Nations Unies appellent à une synergie d'action des gouvernements et de la société civile. Pour s'attaquer efficacement à la pratique des mutilations génitales féminines, il est nécessaire d'entreprendre des actions intégrées et multisectorielles qui visent non seulement les personnes directement impliquées, pratiquants et victimes des mutilations génitales féminines, mais aussi toutes les forces vives de la nation. Il faut des solutions novatrices selon la ministre, car l'excision, la mutilation génitale la plus répandue marque à vie les victimes. Traumatisme, complications des organes de reproduction, le gouvernement invite à ne plus tolérer ces pratiques. Tous, nous sommes concernés
par la question des mutilations génitales féminines. N'ayons pas honte d'en parler. Engageons-nous pour refuser et stopper ces pratiques honteuses, rétrogrades et néfastes à la santé des femmes et des filles. Cette année, en Côte d'Ivoire, la lutte contre les MGF sera renforcée. Célébrée ce jeudi 6 février, la Journée internationale de lutte contre les MGF coïncide avec le lancement officiel des festivités de la Journée internationale de la femme. Dans le cadre du partenariat École-Entreprise, le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Formation professionnelle, en collaboration avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, a organisé un atelier sur la réforme de la formation professionnelle et technique. L'atelier vise la mise en place d'un système de formation professionnelle et technique répondant aux besoins de l'économie nationale, nous explique Herman Yamien. Le partenariat École-Entreprise a sûrement la solution pour adapter la formation professionnelle et technique aux besoins des entreprises. En 2009, la Côte d'Ivoire a réalisé une analyse du secteur éducation-formation. Elle révèle que le dispositif de la formation professionnelle et technique est peu performant et inadapté aux besoins des entreprises. Conséquence, manque de compétences des diplômés, croissance du chômage tandis que des offres d'emploi restent à satisfaire. La réforme de la formation professionnelle et technique passe par une mise en place des outils de gestion des instances du partenariat École-Entreprise. À cet atelier, le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Formation professionnelle et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire harmonisent leurs vues pour amorcer la phase pratique du partenariat École-Entreprise. Aujourd'hui, nous voulons redéfinir l'intervention. Il s'agit de revoir notre façon de travailler et je pourrais dire d'élargir un peu plus le champ du partenariat. Dorénavant, le secteur privé doit faire partie de la gouvernance de nos établissements et c'est avec les enseignants, c'est avec le personnel administratif de nos établissements que le secteur privé lui-même va participer à la définition des programmes, à la définition des différents axes, des différents modules de formation parce que il nous dira, le secteur privé, ce dont il a besoin sur le marché du travail. Un projet pilote de ce partenariat a été déjà réalisé avec l'appui de MEDEF Côte d'Ivoire et le soutien financier de la coopération française. L'Agence japonaise de coopération internationale reprend pleinement ses activités après une rupture due à la crise en Côte d'Ivoire. L'Agence a déjà réalisé plus d'une dizaine de projets d'un coût total de plus de 4 milliards de francs CFA. La coopération ivoiro-japonaise connaîtra en 2014 un coup d'accélérateur. Ainsi en a décidé l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA, qui mettra à exécution des projets en faveur du développement de la Côte d'Ivoire dans les domaines de l'économie, du social et de la sécurité. Nous avons déjà effectué pas mal de projets dans plusieurs domaines. Le secteur agriculture, de la pêche, et puis le secteur privé, et gouvernance. Et puis il y a transport, et puis il y a plan urbain, schéma directeur, et puis renforcement de capacité des communes. Tout au secteur de sécurité, nous formons aux polices officiers qui n'ont pas eu la formation recyclage pendant la rupture. Nous formons un peu moins de 4000 policiers pendant 3 ans. L'agence a déjà réalisé une dizaine de projets d'un coût global d'environ 4 milliards de francs CFA. Par ailleurs, elle conduit le projet de développement du schéma directeur d'urbanisme du district d'Abidjan afin de tracer les bases du développement de celui-ci d'ici à 2030. Créé en 1992 en Côte d'Ivoire pour des activités de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, la JICA avait suspendu ses activités à cause de la crise post-électorale. La JICA a rouvert ses bureaux à Abidjan en novembre 2011 pour continuer la coopération. Et c'était un récit de Laetitia Manglé. Les 131 délégués départementaux et communaux du PDCI RDA sont en formation depuis ce mercredi matin au plateau. C'est une initiative du secrétariat exécutif du parti qui veut expliquer aux délégués leur rôle et les actions à mener pour renforcer la place du PDCI RDA sur l'échiquier politique ivoirien. Nous explique Victorine Yaouyoboué.
Après la formation du secrétariat exécutif du PDC-IRDA, c'est au tour des 131 délégués départementaux et communaux du parti, venus des 31 régions de la Côte d'Ivoire. Le renouvellement des délégués participe de la volonté de rajeunissement et de modernisation du parti sexagénaire, comme annoncé à son 12e congrès. Le président Henri Konan Bédié donc a procédé à des changements importants au sein de l'appareil qu'il dirige. Et il n'y a pas meilleure manière pour nous de faire que de réunir les délégués départementaux et communaux pour leur donner des rudiments nécessaires afin d'aller sur le terrain animer le parti. Il a fallu préparer des communications qui couvrent les aspects de fonctionnement de la délégation, la gestion des élections, de façon à ce que les délégués aient tous les mêmes outils pour faire leur travail sur le terrain. Les délégués départementaux et communaux sont les représentants du président du PDCI-RDA sur le terrain. Si le PDCI veut reprendre sa place de leader sur l'échiquier politique ivoirien, comme le dit son porte-parole, Kobenan Kwasi Adjoumani, ces délégués doivent être au même niveau d'information et surtout alerte. Ce sont des relais. On ne veut plus voir, comme par le passé, des délégués qui viennent au bureau politique, on a pris des décisions et qui ne vont même pas réunir leur base pour leur dire « voici ce que le bureau politique vient de décider ». Le PDC-IRD entend poursuivre la formation de ces structures. Ce sera bientôt au tour des secrétariats de section et des comités de base d'être formés. L'objectif est toujours le même, la mobilisation et le recrutement des militants. Même si on n'en parle pas pour le moment au PDC-IRDA, n'oublions pas que les élections générales en Côte d'Ivoire, c'est dans un an. Hors de la Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, le secteur des mines est toujours paralysé. Environ 80 000 mineurs ont cessé le travail depuis 2 semaines à l'appel d'un syndicat radical. Le syndicat exige que les salaires des mineurs soient multipliés par 2. Hier, les négociations ont repris pour tenter de trouver une issue à la grève dans les mines de platine. Nous prenons à présent la direction de la Syrie où le régime de Damas continue de lâcher les barils d'explosifs sur la population. Occupé un instant par les pourparlers de Genève sur la Syrie, les largages de barils d'explosifs sur les quartiers rebelles de la ville d'Alep ont redoublé d'intensité. Après chaque passage d'hélicoptères ou d'avions de combat du régime, les survivants, encore sous le choc, courent dans tous les sens à la recherche de parents ou de proches. Certains dégagent comme tous les jours les corps ensevelis sous les gravats, d'autres trouvent encore la force de maudire l'homme qui déverse ainsi la mort sur eux. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme et des militants anti-régime, en 3 jours, ces attaques ont fait au moins 160 morts, la plupart des civils, dont nombre de femmes et d'enfants, notamment dans le quartier de Massak en Hanano, où l'un des raids a touché une école. Face à ce déluge de barils meurtriers, l'opposition n'a plus d'autre recours que de se rendre à Moscou pour tenter de convaincre les responsables russes de faire pression sur leur allié Bachar el-Assad. Même si Sergueï Lavrov s'est abstenu de se prononcer sur de telles pressions, le chef de la coalition syrienne a choisi de faire preuve d'optimisme. Nous espérons qu'il y aura dans un avenir proche de nombreuses visites de la coalition à Moscou. Maintenant, la partie russe comprend l'attitude de la coalition plus qu'avant. Nous pensons que nous sommes entrés dans un nouvel esprit avec la Fédération de Russie. De son côté, dénonçant, je cite, des tortures de masse d'un régime qui montre chaque jour son vrai visage au monde, le secrétaire d'État américain est revenu à la charge. Pour John Kerry, compte tenu de ce passif épouvantable, le peuple syrien ne pourra jamais accepter un régime dont Assad ferait partie. Je vous propose le tour du monde en bref. Nous irons en Afghanistan, en Libye, mais commençons par l'Irak. Encore frappé ce mercredi par 3 attentats, au moins 24 personnes ont perdu la vie, 30 autres ont été blessées. Nouvelle série d'attaques à Bagdad. 3 attentats ont eu lieu ce mercredi dans la capitale irakienne, dont l'un devant le ministère des Affaires étrangères. Bilan, 24 morts. Ces attentats interviennent alors que les forces de sécurité poursuivent leurs opérations pour reprendre aux insurgés des secteurs situés à l'ouest de Bagdad.
plus d'armes chimiques en Libye. C'est ce qu'a annoncé mardi son ministre des Affaires étrangères. Cet arsenal avait été constitué par l'ex-dictateur Muammar Kadhafi, qui avait commencé à le détruire après avoir signé le traité international contre les armes chimiques. Après sa chute, le démantèlement s'est accéléré avec l'aide de plusieurs puissances occidentales qui craignaient que ces armes ne tombent entre les mains de terroristes. À la télévision afghane, mardi soir, le premier débat de la présidentielle. Sur le plateau, 5 candidats tous d'accord sur un point, il faut stabiliser le pays au plus vite. Tous se sont dit ouverts à des négociations avec les talibans tout en prônant la fermeté face à leurs attaques. Au total, 11 candidats sont en lice pour succéder à Hamid Karzai qui ne peut pas se représenter au scrutin du 5 avril. Des villages totalement submergés. En Bolivie, les pluies torrentielles ont provoqué des inondations dans la région de l'Amazonie. Les autorités tentent actuellement d'évacuer des dizaines de villages. Depuis 3 mois, les inondations à répétition ont coûté la vie à au moins 30 personnes en Bolivie. Et ce communiqué, avant de nous séparer, c'est un communiqué du général de brigade, chef d'état-major particulier du président de la République. Des individus utilisent les laissez-passer délivrés par le commandant du groupe de sécurité de la présidence de la République comme des passe-droits sur l'ensemble du territoire national. Il est rappelé que ces titres ne sont délivrés exclusivement que pour l'accès au palais présidentiel. La présidence de la République ne se reconnaît pas dans toute autre utilisation. En conséquence, il est demandé à toute personne victime de cette sorte d'intimidation d'aviser le commissariat ou la brigade de gendarmerie la plus proche. Merci à vous tous de votre attention. À 23h, retrouvez Francis Boisfaux. Moi, j'aurai du plaisir à vous retrouver demain à la même heure, 20h.